Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur le stand Yamaha pour cette IFA de Berlin 2013, avec devant moi, vous le voyez, de nouveaux éléments IFI. Alors Yamaha a pensé à ceux qui souhaitent se lancer dans le monde de la IFI, avec pour commencer deux premières solutions et une nouvelle série, la série 201. Vous avez ici en bas l'AS201, qui est un amplificateur stéréo 2x100W, équipé de 4 borniers, pour avoir une configuration A, B ou A plus B. Vous disposez également d'un mode Pure Direct et d'une entrée phono pour connecter une platine vinyle. Juste au-dessus, le RS201, également 2x100W, mais qui lui par contre est un ampli tuner. Donc vous avez accès en plus à la radio et vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 pré-réglages de stations sur le RS201. Voici pour l'entrée de gamme. Juste au-dessus, vous avez également une nouveauté Yamaha. Cette fois-ci, il s'agit également d'un ampli tuner, mais réseau. Puisqu'effectivement, le RN500 est doté à l'arrière d'une entrée RJ45, qui le rend compatible DLNA. Il est également AirPlay. Et vous pouvez accéder à une multitude de sources, comme par exemple le tuner, l'entrée CD, si vous connectez un lecteur CD à l'arrière, plusieurs entrées optiques, coaxiales, phono et analogiques, l'USB et le serveur pour le DLNA. A très bientôt pour d'autres nouveautés sur le stand Yamaha.